forêt là. Pas tout de suite, d'abord on reste sur les chemins, enfin on se rend dans la forêt mais sur un chemin assez large. Et ensuite on entamera un sentier. On est au col de la Pra, on est arrivé, il est 18h là, et je vais amorcer une petite descente sur le refuge. Je suis parti en reconnaissance pour la suite demain, et voilà, donc là, arrivé au refuge, j'espère qu'il est vide. La nuit ne va pas tarder à tomber, il commence à faire bien froid, ça annonce un bon regel pour la nuit, donc des super conditions pour demain, voilà. Ça s'annonce vraiment super chouette. Quel calme. Allez, direction le refuge. Ah, voilà le refuge. C'est pas tombé. À l'arrivée. Refuge de la Pra. Et bon, voilà, on est arrivé. C'est bon ça. Alors comment ça va Alex? Ah ouais. Tu viens de me rejoindre, j'ai préparé la soupe. T'es déjà arrivé? Ah oh, bah ça fait 3 heures que je suis arrivé. Tu vas t'avancer là, tu commences à avoir un bon rythme. Hein. Ah ouais. Sacré rythme. Bon bah c'est ici qu'on va passer la nuit. Bon je suis désolé, il n'y a pas les Suédoises. Hein. Elles sont parties tout à l'heure. Il doit faire à peu près 0 degré. Les derniers rayons du jour. Les appareils avec batterie, notamment la Miserva à l'abri et au chaud. Voilà, on devrait trouver la technique, une chaufferette. Bon, voyons voir, c'est un peu Amityville qui est dedans. Hein. Là, on voit carrément rien. Alors, je vais filmer le lit, en vrai. Regardez mon lit. Voilà. Mon lit. Très bien dormir. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah ouais, c'est douillet là-dedans. Eh oui. Comment? Qui est-ce qu'on a là? Il est 6h du matin. Ça y est. Mon petit on déjeuner va me chercher du pain, s'il te plaît, frais. Frais? T'es sûr? Frais? Ouais. Parce que moi, je veux rien de frais, moi. Je veux que du chaud. Bon, là, tout sur une humidité. Voilà la vitre à l'intérieur. Le bonheur est total. Ah.
aujourd'hui les gars, il fait beau. Running for the thrill of it, thrill of it.
Bon, c'était pas le pied, ça ?